merci aux anciens d'école, plus ou moins jeunes. Hein. On va dire que ça va des promos 50 jusqu'aux promos 2017. Donc d'être présent pour montrer combien notre communauté est attachée à la réussite des nouvelles générations qui vont nous succéder demain dans l'industrie et le monde économique. Hein. Vos promotions sont tellement utiles pour le redressement productif national. Et d'ailleurs, quand je regarde statistiquement d'où viennent beaucoup de patrons ou de patronnes de PME, ils viennent des arts et métiers. Ils sont CATSA. La Bordeaux 193, notre promotion, joue un rôle un peu particulier pour vous dans la famille des Gazards. Comme la Bordeaux 168 l'avait fait pour nous il y a 25 ans, nous sommes là pour vous épauler alors que vous découvrez les traditions, pour vous aider à profiter au maximum de la vie à l'école et pour vous apporter notre expérience dans votre préparation à la vie active. Nous nous retrouverons à plusieurs reprises pendant les 3 années à venir et nous construirons, j'en suis sûr, un lien particulier. Ce faisant, la Bordeaux 193 vous montrera la réalité et la force de la devise de tous les vrais Gazards, la fraternité. Vous êtes les parents de Victor qui vient d'intégrer donc le campus de Bordeaux. C'est une première pour vous, ce genre de soirée, d'accueil ? Alors, c'est une première pour moi parce que j'ai 3 enfants, mais c'est le premier, c'est l'aîné donc, qui a réussi à intégrer une école comme celle-ci. Pour nous, c'est une première de rencontrer autant de personnes et d'être reçu aussi bien dans un lieu qui appartient à l'État, enfin à la région, d'où l'intérêt que porte sans doute la région à cette école. Moi, je suis extrêmement content d'être là et très fier de mon fils. Alors, outre la fierté, madame, ça représente quoi cette soirée ? Mais en fait, si vous voulez, on met. C'est juste une concrétisation d'un projet qu'il avait et ce soir, ça se concrétise. Ce soir, on met le doigt dessus, en fait, finalement. Cette école dont on a entendu parler, dont il nous a rabâché les oreilles, quand même, pas mal. Aujourd'hui, on y est pour lui et en fait, c'est juste la suite et la suite logique de notre accompagnement. Et on est aussi bien accueilli, je pense, qu'il l'est en ce moment par l'école. Monsieur Arnay, vous êtes le papa de Benjamin qui vient d'intégrer les arts sur le campus de Bordeaux. Oui. Alors, une soirée comme ça, vous l'imaginiez ? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé un accueil extraordinaire. Une ambiance formidable, une fraternité comme on l'a ressenti lors du discours des différents intervenants. Et vraiment, on sent une équipe soudée, une école magnifique avec plein d'espoir. Vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Laurent Laine, vous êtes le proviseur du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. C'est un des plus gros lycées français. Oui, tout à fait. Le lycée Gustave Eiffel, c'est 3200 élèves qui vont faire leur rentrée lundi prochain. C'est 700 élèves de classe préparatoire aux grandes écoles. Alors, vous avez 29 élèves qui intègrent le campus de Bordeaux. C'est votre première rentrée aussi aux arts. Vos impressions ? Mes impressions sont l'impression d'une famille. L'accueil qui est réservé aux 29 élèves de Gustave Eiffel, entre autres, hein, puisqu'ils sont parmi d'autres qui intègrent le centre de Bordeaux. 21 élèves sont issus de la classe PT étoile et 8 élèves sont issus de la classe PT. Mes impressions, c'est effectivement, il règne le sens de l'accueil, le sens de la fraternité et le sens des relations humaines.